1920, voici les derniers dialogues entre Georges Clémenceau et Marianne qui se sont fait représenter ce soir par Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Quand elle dans mon cœur trop de bile s'assemble, je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement, tôt ou tard nous rompons indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque, pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas un bâton, madame, qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Sur quel fond de mérite et de vertu sublime allez-vous choisir celui que votre cœur estime? C'est votre rein, ma chère, qu'il vous faut surveiller, non?